Parti. Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle VOD, la VOD pendant les vacances certainement, la VOD sur la seconde session de l'agence qui souhaite en fait que du food. Il m'a dit gros je veux que du food, comme ça tu peux pas me troller. Donc on va quand même essayer de le troller. Non franchement ça me fait, en gros les gens qui me disent en général je veux que du food, je m'en sors avec des bons mobs, donc on verra. Il m'a dit de faire le vœu parce qu'il avait la flemme, donc on va commencer par le vœu, puis après je vais regarder un peu son compte et puis après on fera la seconde session bien sûr. Allez, c'est parti. Non, je suis jamais tombé sur le monstre. Oh, oh l'enculette. Est-ce que vous l'avez vu? Je déteste quand ça fait ça. Il s'arrête sur le monstre. Il est en mode ta 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 ta, t'as gagné. Et en fait, pas du tout. C'est un enculé. Il passe d'une case. Il s'est arrêté au moins 7 secondes. J'ai compté au moins 7 secondes sur le monstre. Non, franchement, faites-nous pas ça. Comme toi, c'est dégueulasse. Alors, lui, par contre, lui, il est content pour la nouvelle mage que tu vas pouvoir décorer ton ciel parce que, regardez, et même ajouter plus de territoire sur l'île parce que, regardez, il s'en bat complètement les couilles. Hein. Alors, en plus de ça, il a pas voulu faire d'île vierge. Il s'est dit, tu sais quoi, on va laisser les vieux cailloux, les arbres minés de la rue, ce sera très très bien. Bon, on va regarder un peu le bestiaire. Donc il a un Lucien, Belladéon, Véromos. Il a le roi des fées, Opsamat. Il y a eu un article récemment qui a été publié par Scatfetis, qui est sur le serveur global, sur Reddit, qui dit qu'en gros, ça, Psamat, c'est le joueur, le monstre number one à avoir en THL, donc entre G3 et Légende, parce que il est tout simplement monstrueux. Donc voilà, sache-le, t'es un monstre de ouf. Il a fait le même avec Lady Kamana. Juste, je dois te rappeler des anciennes summons pour parler de chance. S'il vous plaît, Nouf, calmez-vous. Je viens d'acheter un pack à 150 gemmes et j'ai packé Vlaguel et Roi des Barbares. Oh, déjà éveillé, bah, GG à toi. Ça te fait 2 5 étoiles natifs sur la même truc. Bon, un 4 étoiles éveillé et tout. Il a quand même Raki, donc il se fout allègrement, apparemment. Un peu comme moi. Donc, Mantura Achoubel, pas mal. Orion Galion, salaud. Rakshasa. Alors, en vrai, il a des super monstres, mais apparemment, il ne les respecte pas du tout. Il n'a même pas pris le temps de les éveiller. Alors, il a pris. Alors je le troll un peu bien sûr, hein. il est super sympa. On va faire Stella, il a aussi une Stella, pardon, je rigole bien sûr. Il a une Shiwa Imezeti, en vrai il a très très bon monstre, il a déjà beaucoup de food. Donc oh, il a aussi 7 Devilmons, donc est-ce que vraiment il s'attend qu'il y a du food? Avec 7 Devilmons dans le coffre les gars, on se demande. Et c'est parti mon kiki, alors putain, j'ai failli partir alors que... Alors il me dit qu'il était déjà lui tombé une fois sur le monstre et qu'il avait eu Capitaine Pirate Feu qui est Karak. Bah on est content pour lui, c'est vrai, mais c'est dommage quand il tombe sur ce type de monstre. On va balancer la musique évidemment, on va se concentrer beaucoup. Hop. Et voilà. Et après on ouvre tout. L'une des dernières semaines de session avant les vacances les gars. On est bien. Ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir, le thème universel avec un maximum d'énergie s'il vous plaît. Et c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors par contre tu m'as pas dit est-ce qu'on fait les pierres ou pas? Est-ce qu'on fait les pierres ou pas? Faisons-nous les pierres? Faisons-nous... Attends, je vais lui envoyer un message privé plutôt. On fait les pierres ou pas? Les 5 nets qui tombent. La musique des familles, je sens le net 5. Ah, on verra. On verra. On verra. Est-ce qu'on fait les pierres ou pas, mon cher Megards? Non, c'est pourri cette semaine. Je pense que c'est pas pourri, mais je pense par contre que la semaine prochaine, les gars. Pardon, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est la régalade. Téchard, Zeros, Poséidon, Chazoun. Je peux vous dire que là, j'aurai certainement pas beaucoup de pierres, mais je vais quand même les claquer pour Chazoun, évidemment. Mais franchement, c'est des putains de monstres. Donc c'est parti, on y va à l'invocation, les gars. Donc il nous a réservé 2 vélins d'Arcane Light, 53 vélins mystiques, donc c'est parti mon kiki, on espère 5 à 6 étincelles, ce serait pas mal, et on commence, take my bite. Prends mon mordiment, on est craft, c'est ça que tu voulais dire? Allez, ah bah voilà, il voulait une mégane, bah du coup il a une mégane, très très bien, on est content. Je vais juste faire ça là, voilà, comme ça je verrai ça. J'annonce l'archange sur les pierres, mais non, je ferai pas les pierres, hein, du coup, Garganta. Donc encore quelqu'un qui suit. Très bien, quel est le meilleur Frankenstein? Alors, il y en a beaucoup des biens en fait, les Frankenstein sont pratiquement tous bien, à part le vent qui est un peu en dessous, selon moi.
Mais même Dark Knight il valent le coup donc on est content. L'expert en art martial, ok. Les premières étincelles qui tombent, c'est bon, c'est voir. Les premières étincelles qui tombent, et c'est waouh, c'est Lisa donc plutôt worse hein, comme mob. Il est très très fort, enfin elle est très très forte. Elle sert en raid, hein. Elle sert un peu partout, Lisa en vrai. Elle peut même servir en dragon, bien sûr, en DB10. Tout simplement parce que son skill 2 c'est un cleanse et son, enfin son skill 3 est un cleanse pardon, et son skill 2 c'est un strip mono cible donc pas mal. Pas mal du tout. On continue. Ok, j'ai rage. La chance, on a déjà assez. Le mammouth de combat Olivine. Ok, le prêtre épicion pardon, donc Michel. Le lutin champion, ok, est-ce qu'on pourrait avoir une deuxième étincelle? Le chasseur de tête, vent. Le taoïste, feu. Ok, le haut élémentaire, vent. Le chasseur de tête, feu. Ok, la salamandre de feu qui attaque les orques, on l'a déjà vu plusieurs fois. Le haut élémentaire, feu, en tout cas, c'est que du feu, le minotaure haut. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres étincelles? Bon, il voulait du food, hein. Pour le coup, là, il en a, mais il a quand même récupéré Lisa au passage. Bug? Comment ça bug? Vous êtes fou, quoi. Non, non, ça bug pas. Je ne crois pas. Frankenstein, feu, ok. La salamandre de feu, encore une fois. Le chamar... Et putain, par contre, les étincelles, les gars. Ah, les étincelles sont revenues. Attention, et qu'est-ce qu'on va avoir? Et c'est... Très bien, refroidissement, chilling, c'est en... Principalement au DB10, très très un monstre très puissant et apprécié. Je ne l'ai pas moi, Chilling, et j'aimerais bien l'avoir. C'est vrai, j'ai les deux autres citrouilles, mais Chilling, je ne l'ai pas. C'est vraiment un bon monstre. Tu peux même le mettre en écrou accessoirement. C'est pas mal du tout. On continue. Le chat martial feu, ok. L'Inugami vent. Le viking feu. Le loup-garou garoche, hein. Le loup garoche, hein. Frankenstein vent, c'est celui qu'on parlait qui était le moins bon. La fée feu, l'expert en arts martiaux. Oh, par contre, tous les experts en arts martiaux, les gars, ils sont nuls à chier, selon moi. En attendant des reworks. Adrian, très très bien, Adrian, pour le nécro, si tu ne l'avais pas. L'armure vivante feu. Le Frankenstein feu, encore une fois, bah du coup, le Frankenstein, gros, t'en as déjà un skill up. La harpie feu, ok. Chasseur de tête vent. Est-ce qu'on aura que deux étincelles sur 50 vélins ce soir? Ah non, une troisième paire d'étincelles. Et attention, et on a qui? On a Jean. Jean de la Fontaine. Alors lui, par contre, moyen. Moyen. Je lui dirais 6 sur 10, c'est un très bon knucker mono-cible. Mais il faut qu'il ait son passif de up. Enfin, tu vois, il faut qu'il ait plus de la moitié de sa vie, etc. etc. Il est bon à mettre au storage, je pense. T'as une semaine pour te faire pardonner. Donc, les gars! On repart, on a le vélin de lumière et ténèbres, c'est parti, mon kiki, on espère des étincelles, là ce serait ouf. Deux paires d'étincelles, là ce serait assez monstrueux. Jean Foulcan, Jean Valjean, effectivement les gars. Et on commence, pas d'étincelles sur le premier, et on a la fée light. Je confonds en fait, il y en a deux. Ouais, c'est la reine des fées qui est bien, celle-là je la trouve assez moyenne, mais néanmoins. Je crois qu'elle est farmable en plus, donc voilà, dans le cul la balayette. Et le deuxième, alors lui, il nous a régalé. L'écran lag, ouais, un petit peu, je pense, ouais, un petit peu. Il y a peut-être un peu de perte de FPS. Je vais regarder ça tout de suite. Non, ça devrait être correct. En fait, ça devrait être assez bien. Ça doit être mobilisé. RIP la musique. Non, la musique, les gars, on la met qu'une fois. C'est la tradition, une fois en début de session. Bon, les deux Light and Dark, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est en attente de rework. Es-tu là que j'en joue? Felight, très content en tout cas. Bon, on va regarder un peu ce qu'on a eu dans la collection. Franchement, la summon n'est pas terrible. Mais attendez, étant donné pardon, qu'il s'attendait à du food, qu'il voulait du food, il est bien. C'est mieux que rien. Il a quand même eu refroidissement Elisa. Il a eu Jean, qu'on peut mettre un petit peu sur la case d'en bas en termes d'efficacité. Et puis bon, il a eu Mégane qui voulait Mégane, donc on est content, on est même ravis. Et puis voilà, donc on a quand même eu ces deux petites saloperies. Annule les effets nocifs d'un allié ciblé. Ouais, allez, celle-là, elle est gardable. Celle-là, à la limite, gardable. Celui-là, par contre, gros, fous-le au storage, quoi. Fous-le au storage. Récupère 30% des PV et 50% de la jauge d'attaque à chaque fois que tu tues un ennemi. Et donc que ça n'arrive jamais avec ce requin de mes deux, ça n'arrive pas, quoi. Regarde les notes joueurs pour le requin, course light. Ah, Pipito, est-ce que t'as...
Est-ce que tu nous aurais pas par hasard chié sur le requin light en plein live? Aspirant rip. Bon, désolé les gars. Hey, je vous demande d'aller liker les gars. Alors moi, sachez-le, sur mon serveur, je n'ai jamais eu une review, une review positive, enfin une review en tête de liste. Jamais. Là, les gars, c'est le moment. Si jamais vous voulez faire plaisir à l'agence, parce que là, je crois que c'est le dernier recours. Hein, voilà, allez-y à la place. Et là, je vais mettre thanks, thanks, comme tout est bien sûr. On va les remercier allègrement. Et voilà, donc les gars, s'il y a un truc à like, c'est celui de l'agence. Bon, si tu fais ça, normalement, tu ne peux pas commander, tu ne peux pas recommander ton propre poste. Donc les gars, je vous attends. Je vous attends. N'ai jamais écouté les commentaires du jeu. RIP. Et bien voilà, le 23-08. Et putain, les gars, demain, si j'avais streamé demain, ça ferait 3 mois pile que je stream. Est-ce qu'on serait pas content? Ah bah non, je suis con, c'est le 26, pas le 24. Bon, bref, on s'en bat les couilles. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les gars. On va se quitter là-dessus. Je vous remercie beaucoup de votre loyauté. Je vous remercie beaucoup de regarder les vidéos, les gars. Ça fait plaisir. J'espère que vous passez un bon moment dessus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, salut. Salut.